Bonjour et bienvenue dans la Confédération Helvétique, bienvenue dans cette merveilleuse ville de Bâle. Il s'agit d'une particularité unique au monde. Ici, le réseau des tramways s'étend sur trois pays. Outre le territoire suisse, il dessert depuis décembre 2014 la localité allemande de Weil am Rhein et depuis décembre 2017 la gare française de Saint-Louis. Autre particularité, l'exploitant dégage des bénéfices et il ne cesse d'investir, que ce soit dans le matériel roulant avec 61 rames Flexity en cours de livraison ou que ce soit dans la rénovation de l'infrastructure avec un programme de travaux jusqu'en 2020 et déjà 38 millions d'euros dépensés pour la seule année 2017. Enfin, les habitants d'ici cultivent un véritable lien affectif avec leur tramway, dont la livrée, uniformément verte, est devenue légendaire. Les tramways verts appartiennent au réseau urbain exploité par les BVB, Basler Verkehrsbetriebe, dont le logo, visible à l'avant de ce combino, s'inspire de la crosse épiscopale des princes-évêques au Moyen-Âge, une crosse que l'on retrouve aujourd'hui sur les armoiries de la ville. Il y a aussi les tramways jaunes du BLT, Basel Land Transport, qui traversent la cité avant de partir explorer la ruralité du canton de Bâle-Campagne. Marktplatz, la place du marché. Elle est desservie par 6 lignes différentes. On y voit tous les matériels en service à Bâle. Voici la motrice monocaisse BE44, attelée à une remorque standard. Elle est surnommée Cornichon à cause de l'inhabituelle asymétrie de ses extrémités qui permet d'avoir toutes les portes parallèles au trottoir sans pour autant engager le gabarit. Les BE44 ont été construites par Schindler au milieu des années 80. Le combino du constructeur Siemens est le premier tramway à plancher bas intégral ayant circulé à Bâle. Ces BE68, selon la désignation helvétique, roulent ici depuis 2001. Leur accessibilité, facilitée par l'absence d'emmarchement, permet d'accélérer les échanges de voyageurs aux arrêts. Le Flexity Basel du constructeur Bombardier représente la toute dernière génération de tramways à plancher bas intégral. 61 rames ont été livrées de 2014 à 2018. Voici le Tango, construit par Stadler. C'est le modèle de tramway à plancher bas partiel choisi par le BLT. La dernière de ces BE610 a été reçue en 2016.